Les 306 Maxi ne pouvaient guère prétendre à la victoire au rallye de Monte-Carlo. Terrain difficile alternant asphalte mouillé, neige et glace, Gilles Panizzi et François Delecour se sont classés 9e et 10e, pas vraiment la panacée mais riche d'enseignements pour l'avenir. La réussite n'était pas au rendez-vous en Catalogne, les deux voitures ont en effet été retardées dès le départ. Panizzi décroche néanmoins la 6e place finale, Delecour la 8e. Puis en Corse, nos deux Français vont littéralement provoquer les pilotes de WRC. Dommage que la pluie soit venue perturber les débats. La victoire était à portée de main. Gilles Panizzi termine 4e et François Delecour 2e. Tout cela à moins de 30 secondes de Colin McRae, le vainqueur. Les adieux de la 306 en championnat du monde ont eu lieu au San Remo. Après avoir mené la classe 2 litres, Delecour a dû abandonner et céder sa place à Panizzi. Panizzi, 5e du scratch. Citroën maintenant a fait débuter de la plus belle manière qui soit sa Xara Kit Car en Catalogne avec un Philippe Bugalski en grande forme. Victoire en 2 litres et une 5e place à l'arrivée, juste devant Panizzi. Moins de réussite en revanche sur l'île de Beauté où Bugalski a dû abandonner alors qu'il était le mieux placé des 3 pilotes Citroën. Jamais ensuite, Duenlen et Mago, les rescapés, n'ont été en mesure d'aller chercher les cousines de Vélizy, Duenlen et Mago, qui terminent respectivement 7e et 10e. Même constat au San Remo, Bugalski sera contraint à l'abandon suite à une sortie de route. Seul Mago rejoindra l'arrivée en 11e position. Équipier de Carlos Sainz chez Toyota, Didier Auriol a fait forte impression pour son retour au plus haut niveau. Leader d'entrée au Monte Carlo avant une touchette, Auriol n'a pas souvent été récompensé, notamment en début de saison, accumulant les problèmes mécaniques. Et il lui faudra attendre le rallye de Catalogne pour disputer enfin une course sans problème. Résultat, Auriol s'impose avec plus d'une minute d'avance sur ses adversaires. Cette fois en tête d'un rallye, mais une seule victoire à son actif, le Français n'a donc pas connu la réussite escomptée. En Grèce, en Argentine ou encore en Nouvelle-Zélande, il avait quasiment course gagnée avant que des problèmes ne viennent à nouveau perturber son ascension. C'est toujours un petit peu trop tombé sur nous, quoi. Je veux dire, bon, mais ça, c'est la course. C'est comme ça, on n'a pas été très chanceux. Mais globalement, je veux dire, je pense qu'on avait déjà largement les possibilités de se battre pour le titre.
Donc maintenant, rendez-vous l'année prochaine.